Est-ce que c'est vous, l'avocat? Non. Il faut que je lui parle d'urgence, s'il vous plaît. Oui? Bon appétit. Qu'est-ce qui se passe? Un client? Ah non, pas maintenant, renvoie-le. Il n'a pas l'air de se sentir bien. Eh ben, moi non plus. Il dit qu'il vient de commettre un meurtre. Dites-moi, pourquoi n'avez-vous pas demandé la mise en liberté sous caution pour Monsieur Fest? Monsieur Fest? Vous connaissez? Vous vous moquez de moi, maître. Voulez-vous me faire croire que vous n'avez pas lu mon acte d'accusation? Ah, vous représentez l'accusation. Tout ce que je sais, c'est qu'il manque quelque chose. Ah, la fameuse intuition. Non, c'est bien concret. Quelque chose que tu as vu sur place? Voilà un exemple de ce qui pourra vous nuire. Les mensonges. Les contradictions. L'acte d'accusation est erroné à la base, à savoir l'homicide volontaire. Qu'il savait, au moment où il s'apprêtait à gifler la jeune femme, que cet acte pouvait entraîner la mort de celle-ci. Ne faut-il pas plusieurs coups violemment portés pour envoyer une personne à travers la pièce et qu'elle bascule et tombe? Et toi, tu aurais renvoyé l'argent avec ton nom, ton adresse et ton numéro de téléphone? Moi, à sa place, j'aurais gardé l'argent. Si je pique de l'argent, ça n'est pas pour le rendre.